imaginez donc, je ne sais pas quel exécuteur public national qui se pointe chez vous. Il y a peu de chances qu'on ait envie de lui offrir un café. Et pourtant, il a une question à poser. C'est pour ça que j'imagine qu'il y a quand même un petit différentiel entre ce que le roi avait demandé et ce que les hommes demain faisaient en bas de l'échelle. Puisque Arior discute avec Daniel, et voici ce que Daniel lui répond à une question dont on n'a pas le, dont on n'a pas le contenu. Alors, Anev Amar, il dit, il prit la parole et dit, il répondit et dit à Arior, Shalita di Malka, qui est le gouvernant du roi, l'officier du roi, le Shalit, c'est ce qui peut donner le mot sultan éventuellement, Al Ma-Data, pourquoi data ce décret, cette loi, Me'artsefa, qui est tellement dur, Minkodam Malka, de devant le roi. Pourquoi le roi a sorti une loi aussi dure? Et Dain Mil-Leta, alors la chose, Hoda Arior, les Daniel, la fille connaître à Daniel. Donc les sages qui sont massacrés ne sont même pas au courant. Pourquoi? Et Daniel fait celui qui n'a pas compris. Ou bien il n'a vraiment pas compris, il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle fermeté? Et Arior lui explique, voilà, le roi veut se débarrasser de ses, de tous ces, comment dire, ces incapables. Mais Daniel, alors Daniel, Al, rentra, ou Alla, ouvra Milmalka et demanda du roi, dit Zeman, Inten-le, que du temps lui soit donné, autrement dit qu'il laisse parler 5 minutes, ou fichera, et que l'explication, les Ahavaya, les Malka, soient montrés au roi. Alors c'est marrant parce qu'il est encore question de temps. Et je ne sais pas bien ce que ça vient faire ici. Vous avez le roi qui dit au mage, vous fichez de moi, vous voulez jouer la montre, d'accord, pour voir si je vais me calmer. Vous avez un abus de nos heures, ça tranche, vraiment. C'est ce qu'il dit qu'on fait de lui, il est en insécurité, il n'est pas bien, il n'a pas confiance en eux. Et vient Daniel, qu'est-ce qu'il lui demande? Du temps. Donc c'était vraiment pas la chose à demander. Bon. Et donc, ce délai, ce sursis, bizarrement lui accordé. Alors, je continue, le paragraphe suivant. Et Daïn Daniel. Alors Daniel, l'évêté à sa maison, Azal s'en alla, pour qu'il rentre tranquillement chez lui. Vela Hanania, Michel, va Azaria, et ses trois copains, Hanania, Michel et Azaria, Havrohi, ses amis, Mil-Leta, Hodar, la chose, il leur fait connaître. Il leur fit connaître. Bon, donc maintenant, ils sont quatre à être dans le secret des dieux, enfin le secret du roi. Vela Hamin, Nivre, Minkodam, et là, Shemaya. Et Rahamin, miséricorde. Les Mivrés, ils se mirent à demander Minkodam de devant et là, Shemaya, le Dieu du ciel. Al-Raza, Dena, par rapport à ce secret, la rase, en araméen, c'est le sol, c'est le secret. Dit la Erov d'où Daniel Havoi. Et qu'ainsi ne soit pas perdu, qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses amis, Hakimé Babel avec les autres sages de Babel. Donc eux, ce qu'ils demandent à Dieu, c'est tu nous sauves notre peau à nous. Hein, ils ne sont pas en train de demander pitié pour les autres sages de Babel, mais je vous donne déjà un peu la suite. Daniel va obtenir que les sages soient épargnés. Qu'est-ce que Daniel a... Quel est son calcul? D'accord, donc il a réconcilié le roi avec l'élite. C'est un jeu extraordinaire. Et Daïn et Daniel, alors Daniel, Behezva, dit l'Elia, dans la vision de la nuit, Raza Gali, le secret lui fut révélé. Et Daïn Daniel, alors Daniel, Berir, béni, Baracha, l'Ela, Shemaya, le Dieu du ciel, le Dieu des cieux. Amé, alors là c'est très joli, hein, ça ressemble un peu à notre rituel. Ané Daniel et Amar, Daniel déclama et dit, Lehevé Shemé, que soit son nom, dit Elaha de Dieu, Mevarer, Mevarar, béni. C'est ce qui inspire le Kaddish, Yehé Shemé Rabba Mevarar. Mina Alma Verad Alma, de toujours et pour toujours. Mina Olam Vadarolam. Dit Chochmeta,
celui dont la sagesse ou que vous ratez la puissance, dit-les, hi, sont à lui. Celui qui a la sagesse et la puissance pour lui. Vehu est celui qui, mehashne idanaya, vezimnaya, fait changer les temps et les époques. Mehaade melachim, qui renverse les rois, qui défait les rois, ou mehakem melachim, et qui érige des rois. Yehav chokhmetal hakimim, qui donne la sagesse aux sages. Umnad dera, et fait connaître les yadai evna, qui donne la connaissance à ceux qui connaissent le discernement, à ceux qui savent comprendre, dans la traduction du rabbinat. Alors je pense que cette prière est très importante parce qu'elle donne le contenu théologique de Daniel. D'accord, cette théologie du roi, le roi qui se fait appeler roi des rois, hein, le roi de Babel, c'est le roi des rois. Et Dieu est un super roi. Alors c'est pas seulement un super Dieu, un Dieu supérieur aux autres divinités, ça devient maintenant un super roi, celui qui donne la sagesse à qui en a besoin, qui donne le pouvoir, qui donne la puissance, toutes les qualités royales. Vous les avez au centuple, entre guillemets, à l'infini chez Dieu. Mais ce parallélisme-là, il est très, comment dire, il est très propre à ce moment du Tanakh. Hu galé amikata, c'est lui qui révèle les profondeurs, ou mistarata, et les choses cachées, les mystères. Yadar ma bahashucha, il sait ce qu'il y a dans les ténèbres. Unhora, et la lumière, il met avec lui, chéré, réside. Je traduis littéralement mot à mot. Bon. L'art, donc je vais assimiler là-dessus, l'art à toi est l'art, Dieu avahati de mes pères, mehodé, je suis reconnaissant, mshabach, et je fais louange à ma moi. Dis, chokhmata, toi dont la sagesse, ou gvurata, enfin, toi qui, sagesse, ou gvurata et puissance, yehavt li, tu m'as donné. Yehav, en araméen, c'est le don, c'est donner. Par exemple, un araméisme qu'on ne soupçonne pas, le verbe aimer en hébreu, certains commentateurs disent aimer, c'est donner. Ahava, ahav en hébreu, ça contiendrait une racine d'origine araméenne qui veut dire donner, hav. Ça peut se comprendre. Comme l'hébreu n'est pas très conceptuel, mais décrit des comportements, eh bien si A aime B, c'est, comment on le voit, c'est que A donne à B. Vous voyez comment ça s'est construit. Uchran. Et lorsque je t'ai fait connaître ce que je te demande, et tu m'as fait connaître, pardon, ce que nous t'avons demandé à toi, dis Milat Malka, Hodartena, la chose du roi, tu nous l'as fait connaître. Kolkoveldena, sur ces entrefaites, Daniel, Al, Arior, revint vers Arior, dit Mané Malka, que le roi avait nommé les Hovadal Hakim et Babel pour faire périr les sages de Babel. Azal, il alla, Vechen Amarle, et ainsi il lui dit, les Hakim et Babel, les sages de Babel, Al Te Hoved, ne les fais pas périr. Ha'elni Kodam Malka, fais-moi rentrer chez le roi, introduis-moi chez le roi, ou fichera les malka ahavé, et là, l'interprétation au roi, je la montrerai, je la donnerai. Bon. Donc là, c'est délibérément que Daniel sauve l'élite. Est-ce qu'il espère que tous ces sages conviendront, ou à tout le moins le roi, que puisque c'est Dieu qui lui donne la réponse? Donc c'est le même Dieu qui donne la sagesse aux sages et qu'il n'a qu'à s'en remettre à lui, Daniel, et au Dieu qui le supporte sans avoir besoin d'assassiner tout le monde. Nous essaierons d'élaborer le calcul de Daniel, bien sûr. Là, je rentre. Pourquoi Daniel parle araméen et pas hébreu? Parce que vous avez remarqué, les Chasdéens se mettent à parler en araméen, mais du coup, le narrateur s'embarque dans l'araméen. Daniel... Tout, enfin, voilà, le livre devient en araméen. Tout devient en araméen. Les protagonistes, le narrateur, la troisième personne, tout même devient en araméen. C'est curieux quand même. Comme quelqu'un, vous savez, qui a oublié, qui change de langue en citant quelqu'un, puis qui termine le récit avec la même langue. Je ne sais pas comment... je n'ai pas trouvé d'hypothèse sérieuse
sur ce glissement. Que les Chasdéens se mettent à parler en araméen, ça doit pouvoir se comprendre. Il doit y avoir une raison circonstancielle. Et qu'on ait délaissé les Hébreux désormais sans crier gare, alors ça, c'est assez étonnant. Mais on va essayer de résoudre. C'est pas facile, hein, cette question du langage, elle est vraiment pas simple. Si on ne veut pas succomber au rafistolage approximatif, voilà, des textes en même temps, on les met en même temps. Je mets un bout de Shakespeare, un bout de Molière, un bout de Cervantes, et hop, je fais un truc. Bon. Alors, voyons maintenant la rencontre avec le roi. Donc, il nous reste quoi ? Alors, Edain Arior bit Hab bit Behala. Alors, Arior, avec panique, Hanael et Daniel firent entrer Daniel, Kodam Malka, devant le roi. Vechen Amarle, et ainsi Daniel put lui dire, en s'adressant au roi, Yashka ha Gevar. Excusez-moi. Et il dit, Arior dit au roi, dit Yashka ha, tu avais trouvé Gevar, un homme, min bene galuta di Yehoud, de la diaspora des Juifs, Yehoud comme en arabe, dit Fichra les Malka Yehoudam, qui, l'interprétation au roi, la ferait connaître. Ame Malka et Amar le Daniel, du coup le roi s'exprime et s'adresse à Daniel, dit Shemé Belshazzar, dont le nom est Belshazzar. C'est quoi ça? Alors Daniel avait été nommé, c'est-à-dire que le Hanania, Michel, Azaria et Daniel avaient reçu des noms babyloniens. Depuis leur enfance, ou au moment, je crois, même des introduits dans des fonctions prestigieuses. D'ailleurs, pourquoi Daniel n'est pas à la cour à ce moment-là? Pourquoi il a été chez lui? Y aurait-il eu une disgrâce ou une pseudo-disgrâce? Ça, ça a à voir, avec le premier chapitre, bien sûr. Toujours est-il qu'il se fait rappeler au bon souvenir du roi. Oui, c'est le Belshazzar, c'est le Daniel. Haïtar Kahel. Léodartani, Helma, Dihazet ou Fichré. Est-il vrai? Dit le roi. Est-ce que la vérité est avec toi que tu puisses me faire connaître le rêve que tu as vu ainsi que son interprétation? Ané Daniel. Daniel répond, Koda Malka devant le roi Ve'amar, il dit, Raza di Malka Sha'el. Le secret du roi, le secret que le roi demande, la chose, oui, le secret que le roi demande, La Hakimin Ashpin Hartumin Gazrin. Ni les sages, ni les sorciers, ni les mages, ou les magiciens, ni les astrologues, Yahrelin ne peuvent, les Ahavaya, les Malka, montrer, expliquer au roi. Mais cependant, Itaï et la Bishmaya Galé Razin. Il y a le Dieu du ciel, les cieux, qui révèle les secrets. Les Houda, alors, je vais sur la dernière page, Houda Malka, mais Mouchadessa, qui va faire connaître au roi Nabucodonosor, m'a dit les Hévé, ce qu'il y aura, ce qui sera, Beharit Yomaya, à la fin du jour. Helmar, ton rêve, Ve Hezve Reshar, et la vision de ta tête, Al Mishkavach, sur ta couche, Denahi, voici ce que c'est. Et là, deux points, et il lui sort tout le détail. Et à la fin, vous allez avoir un Nabucodonosor qui se prosterne devant Daniel. Il lui embrasse les pieds. Alors, tout ça est étonnant, d'accord ? Ce roi tellement faible, Nabucodonosor, roi de Babylone, il est monstrueux dans l'inconscient collectif, d'accord ? C'est celui qui a conquis son empire, il n'est pas juste un héritier, il a affermi son empire, il a conquis Jérusalem, il a brûlé le temple, bon, ça n'est pas rien. Et là, vous avez un pauvre gars qui ne sait plus à qui s'en remettre, et le premier juif de cour qui vient, il lui embrasse les pieds. Bon, vous allez voir plus tôt. Alors, Anta Malka 3, toi le roi, Rayonach Amishka Verselikou. Ton idée, ta pensée sur ta couche a monté. Madi Leheve Haredena. Et c'est monté, qu'est-ce qui en est monté? Qu'est-ce qui a surgi en toi? Ce qui sera après cela.
Verale Rezaya, c'est-à-dire après ton règne. Et ainsi, le dévoilement des secrets Hodar, je te ferai connaître, on te fera connaître, m'a dit les Hévés, ce que ce sera. Vana et moi, la Vechorma, ce n'est pas par sagesse, dit Kaïbi, qui est en moi, min kol haya depuis toute ma vie, Razadena Geli, ce secret, il m'a été révélé. La haine, al divra difishra les malkai yehodun. C'est pourquoi c'est pour la chose qui sera interprétée au roi qu'on le fait connaître. Vayonel ivrach tinda, et que les idées de ton cœur, ils les connaissent. Il y a l'intention à ce que cela soit révélé et non pas devinable. C'est révélé pour que ceci te soit connu à toi et à ton cœur. On va essayer de comprendre ce que ça veut signifier. Pourquoi se procéder, pourquoi se dire. Antamaka, toi roi, Hazé, tu vois, Hazda va alut selem hazegi. Tu vois une. Comment dire. Tu regardais, tu étais en train de regarder, et voici, Tselem, une statue, une effigie, une statue, une Ksegi, grande. Talma, Diken Rav, une statue qui est grande, Vézive Yatir, dont le rayonnement est important, Kaem le Kovlar, qui se tient devant toi. Révé, Dahil, sa vision, son aspect est, donne de la peur, fait peur, est effrayant. Houd Salma, cette statue, Réché d'Idehav Tav, sa tête est en or bon. Hadoui ou Drori, sa poitrine, Hazé, sa poitrine, et Deroa, c'est le Zeroa, et son bras, Dirhesav sont en argent. Donc tête en or, poitrine. Et bras en argent. Mais Rohi Veyarkate, ses cuisses et son ventre, pardon, et ses cuisses, ses entrailles et ses cuisses, d'Inehash sont en airain. On peut traduire par cuivre. Shakohi dit Farzel, ses jambes sont en fer. Ragohi, par contre, ses pieds, Minehen, ou Minehon plutôt, les uns sont en partie plutôt d'Ifarzel, en barzel, en fer, ou Minehon, et une partie d'Irhassav en argile. Hazé Haviata, tu regardais donc, Adi Ilgezeret, jusqu'à ce que se détache, Evel, une pierre, Dila Vidaim. N'est pas travaillé par les mains. Alors, on est dans une énigme. Vous avez la statue, hein, vous avez le colosse, et puis une pierre qui tâche, mais rate les tzama, et qui vient, vient frapper la statue, à ralentir, dans l'aspect de fer et d'argile. Vehadek immon, et la roi beaucoup. Bedaï, alors, Dakur Hada se voit comme un seul. Parzela Haspa Nehasha Kasa Udhava. Et le fer, et l'argile, et les reins, et l'argent, et l'or, tout ça s'écrase, hein, tout ça s'écrabouille. Va vous que Ur Min Idderkait et devienne comme la balle qui s'envole des granges de blé en été. C'est très très joli, hein. Ça part au vent, ça s'éparpille à tout vent. Un simon ruha, et le vent les porte. Vechol atar, et tout endroit, laishtakar leon, on n'en trouve pas pour eux. Littéralement, ne se trouve pas pour eux. Autrement dit, ça ne se pose nulle part. Ça disparaît. Ve avna, dit Mehat et Salma, quant à la pierre qui avait frappé la statue,
Havat devient les tours raves, une montagne grande, Umlat Kol Ha'ara, qui remplit toute la terre. Voilà le rêve lui-même. Alors, vous avez réfléchi un petit peu à des solutions d'énigmes en même temps. Je vous avais dit qu'il y avait les quatre empires. La montagne, c'est Rome. Ah, pardon, c'est pas Rome. C'est. Excusez-moi. C'est encore autre chose, la montagne. La chrétienté. Ah, non. C'est pas d'année parce que ce. J'en dis pas plus. Vous allez voir l'interprétation qu'en fait Daniel. On essaiera de deviner quelle est cette montagne. Denahelma, ce rêve, vous ficherez. Et son interprétation. Voici le rêve, pardon. Vous ficherez l'interprétation. Neymar Kodam Malka. Je vais la dire. On va la dire devant le roi. Anta Malka. Donc là, c'est la troisième fois qu'il dit, qu'il fait du mon cher roi, mon majesté. Toi, le roi. Melech Malchaya, roi des rois. Le Ya, c'est aussi la marque du pluriel. Dit Ella Shemaya. Toi, que le Dieu du ciel, Malchuta Hisna Vetokfa Vikara Yehavlach, toi à qui le Dieu du ciel a donné, Yehavlach, il a donné pouvoir royal, protection, puissance et gloire. Ubuchol dit, je continue le verset suivant, Ubuchol dit Dairin, et partout où habite Bene Anasha des hommes, Hevat Bara, ou bien des créatures des champs, des animaux des champs. Verof Shemaya, ou des oiseaux des cieux, Yahav Bidar, il t'a donné à toi. Autrement dit, t'es le boss. Il t'a donné tout le monde habité. Et Hashtelach, et il t'a fait régner Bechuléon sur tout. Antahu, tu es Recha Didehava, la tête d'or. Donc ça commence plutôt bien. D'accord, tu es la tête d'or. C'est curieux de concevoir un personnage, la statue, en la décrivant par le haut, par la tête. Parce que si la tête est d'or, mais que le colosse, effectivement, des pieds d'argile, tout ça n'a aucune valeur. Et pourquoi ne pas dire que l'empire qui vient va procéder de l'empire qui a été évacué ? À la limite, je serai l'inspirateur de ce rêve. J'aurais mis ce rêve dans la tête de quelqu'un. J'aurais commencé par les pieds, premier empire. Puis après, il y a mieux, qui se construit sur les bases précédentes. Mais d'imaginer qu'à chaque fois, on va de déchéance en déchéance. D'accord. Et cette tête d'or, elle toute seule, elle ne suffit à rien. Donc l'image est quand même un peu curieuse. Elle est un peu à l'envers. Bon, on va traire, et après toi. Alors, je vous demanderai aussi d'être attentif sur la portée politique de la chose. Dire que l'empire ancien babylonien est la tête d'or, quand on est contemporain d'Alexandre le Grand ou de ses successeurs, c'est quand même pas neutre. Uvatrar, et après toi, Tekum Malchou, se lèvera un royaume, Ahare autre, Araminar, moins bon que toi, plus mauvais que toi, puisque c'est un métal inférieur et c'est un membre inférieur. Ou Malchou Klitaa, et une troisième royauté, Ahori autre, Dinehasha de Derin, Ditishlat de Cholara, qui elle régnera sur toute la terre. Ou Malchou Revi Ra'a, et une quatrième un quatrième empire, Tehevé Takifa sera puissant que Farzela comme le fer. Kokovel di Farzela, Mehadek Vehachel Kola. Tant que, d'autant que le fer peut écraser et défaire tout. Ou Farzela di Meraa Kol Ilem, Tadik Veteroa, donc je vais un peu vite. Et ce fer-là pourra tout abîmer et réduire en ruine. Donc ça promet d'être très violent. Ce fer, donc, c'est le quatrième. Ça, c'est Rome, en l'occurrence. Védir, Haziata, Raglaya, Vetsbarata. Et ce que tu as vu, les pieds et des doigts. Alors, il n'était pas question de doigts au départ, mais passons pour le moment. Mineon, Hasaf, Difeha. D'un côté, c'est en argile du potier. C'est-à-dire à peine formé, ou minéon parzel, et d'un autre côté, d'une autre part, c'est en fer, malchou feligat et hevé, ça représente un royaume divisé. Ce sera un empire divisé, ou min nitsiv ta difarzela le heveba. Il y aura une partie solide, comme le fer est dedans, kolkovel,
De la même manière que Dihesiata Farzela, tu as vu le métal. Me'ara bahasaf tina, mélangé à de l'argile boueuse. Vetzbaat ragleya, quant aux doigts des pieds, minnehen parzela minnehen hasaf, qui sont d'une part en fer, d'une part en argile, milketsat malchuta teheve takifa, ça veut dire qu'une part du royaume de l'empire sera fort, ou minna teheve hatevira, et une autre sera faible ou brisée. Védi hazieta parzela me'ara vehasaf tina, et ce que tu as vu comme étant du fer mélangé à de l'argile du potier, mit arevin leheve, c'est lehon, c'est qu'ils se mélangeront ces deux parts faibles et fortes, bizra anasha, en une race d'hommes, vela lehon davkin dena imdena, et pourtant ils ne pourront pas s'attacher l'un à l'autre. He chedi farzela, la mit arev im haspa, car en effet, ça vient du fait que le fer ne se mélange pas avec l'argile, c'est un mauvais alliage. Alors là, si vous arrivez à décrypter ça, vous pouvez faire du Paco Rabanne sans problème. Uvio Mehon, parce qu'en plus il s'amusait avec le livre de Daniel, Paco Rabanne, si vous vous souvenez. Uvio Mehon, Dim Chayaïnoun, et dans les jours de ces rois-là, de ces empires-là, Yekim Ela Hashemaya fera s'ériger le Dieu du ciel, Malchou, un empire, Dile Almin, Latit Habal, qui jamais ne sera détruit. Ou Malchouta, Lea Mahara, Natish Tevik, et ce pouvoir ne sera jamais donné à un autre peuple. Tadik vetasef kol ilen malchevata. Seront écrasés et prendront fin tous ces autres empires. Vitakum les Almaya et elle, ou cet empire, cette royauté, se maintiendra pour toujours. Kol kovel di haziat, di mitura id gezerit even. De la même manière que tu as vu que d'une montagne se coupait une pierre, Dila vidai via daim, qui n'est façonné par aucune main, comprendre humaine, verdeket parzela nehasha haspa kaspa udhava, qui avait broyé et le fer et les reins et l'argile et l'argent et l'or. Et la rav oda le malka, ce dieu grand fait savoir au roi madile verharedena, ce qu'il y aura après cela. Via siv helma, il assoit le rêve, il renfort le rêve, ou mehemen pichre, enfin le rêve est donc solide, ou même tiré, et son explication est digne de confiance. Point. Alors, vous avez peut-être été un peu embrouillé avec l'histoire des doigts de pied, d'accord? Qu'est-ce que ça veut signifier? Quel est ce cinquième? Et puis cette montagne-là, qu'est-ce que c'est qui dure toujours? Quel est cet alliage dont il est question au niveau d'un, je ne sais quel, cinquième royaume? On ne voit pas très très bien. Donc, non, ça fait beaucoup d'encre. On livrerait un petit peu la quintessence des âneries qui ont pu être dites. Foltanar s'étudie avec des âneries qui ont pu être dites sur ce passage. Alors, je ne traduirai pas dans le texte. Vous regarderez en français. Nabucodonosor procède à vendre votre terre, se met à genoux devant Daniel et lui demande qu'il soit gratifié de cadeaux, de parfums, etc. Il reconnaît que son Dieu est le Dieu des dieux, le roi des rois, qui révèle le mystère. Et donc, puisque toi, tu as pu faire ce qu'aucun autre n'a pu faire, et là, on n'a jamais vu ça dans l'histoire biblique, hein, même Mardoché, dans la Médiadère, finalement, notre Mordechai national passe pour un petit choix. Daniel a fait mieux, beaucoup mieux. Et c'est bizarre, parce que du coup, c'est pas ce souci. Est-ce que les deux rivaux entre eux, en tout cas, ils ont destiné commun, hein, c'est pas combien, ça n'est pas la seule figure du Mardoché non plus, à comme ça s'installer. Vous avez les copains de Daniel, qui sont aussi des gens très importants. Et donc, comme Daniel est bien dans les petits papiers du roi, il lui demande que ses amis, hein, Hanania, Mishael, Azariah, qui sont aussi cités ici par leur nom babylonien, Shadrach, Meshach et Abednego, soient à des postes prestigieux, hein, ce qu'on pourrait appeler par satrapie, en tout cas aux affaires des provinces de Babylone. Daniel resterait à la cour du roi. C'est pour le voleur un happy end. Sur ce cycle, quand Nabucodonosor va mourir, il a là sa Belshazzar. Quand Belshazzar sera renversé par Darius, il va chaque fois que Daniel retourne sa vie là-bas, il le fera très habilement. Voilà l'état des lieux. Voilà ce qu'il va nous falloir aider. Alors, pour nous éclairer, nous verrons ce petit texte de caricature, éventuellement, pour essayer de faire.
de boucler cette affaire des quatre exils. Néanmoins, on voit qu'il y a plusieurs mystères qui planent. Si je les résume, c'est d'abord la personnalité de Nabuchodonosor, le fait qu'on fasse l'apologie d'un roi faible, qui par ailleurs passe pour un puissant et un ennemi fondamental, intégral d'Israël. Donc il est tout l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer de lui. Quelles sont les intentions de Daniel? Quel est son projet? Est-il prophétique? Est-il politique? Et puis surtout, quels enseignements nous pourrions tirer? C'est assez impressionnant que le Tanakh ait à ce point développé ce que c'est que le pouvoir d'un prophète hors les murs de la ville sainte, hors les murs de la terre promise, et comment dans la tectonique des empires, la parole prophétique chemine et prend une part du pouvoir. Donc là, il y a beaucoup de choses à voir autour de ce Daniel, qui est une figure tout à fait inédite. Hein, Moïse n'a pas fait long feu en Égypte, il est sorti, il a fait sortir tout le monde. Daniel, il est au cœur du dispositif. Voilà. Merci. Première manche sur Daniel, suite au prochain épisode. La semaine prochaine, alors. Voilà, la semaine prochaine. Vous avez sur l'événement Facebook, les dates sont cochées, consignées. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a endormi? Comme ça? Parce que je ne connais pas la suite. Ah oui, bah oui. Mais en même temps, il a fait ça bien. Et puis c'est Dieu qui l'aide quand même. Hein. En fait, c'est Dieu qui fait de la politique. Qu'est-ce qui se passe? Et dans la mesure où Nabuchodonosor reconnaît que Daniel a dit juste, c'est qu'il savait toujours son rêve quand même. Non, ça fait des réminiscences. Oui. Non, mais ça prend l'option qu'il mettait les autres en test. Oui, ou de possibilités. C'est-à-dire. Vous savez comment ça se passe avec les rêves. Dans le Tanakh, on aime bien faire le rejeu des rêves de celui-là même que nous pouvons pratiquer. Ça, vous rêvez le matin et vous ne vous souvenez plus. Et puis, à un moment donné, la journée, ah, ben, j'ai déjà vécu ça, ou bien plus tard. Les fameux rêves prémonitoires. On les oublie, puis ils reviennent. C'est très aléatoire. Mais alors, sinon, comment expliquer qu'il se croit? Parce qu'il a tout dit. C'est-à-dire que la première partie valide la deuxième. La description du rêve à l'exactitude jusqu'aux orteils. Hein, il a été jusqu'au doigt de pied du colosse. Quand même, encore sur les matériaux, sur le coup de la pierre qui se détache, c'est impeccable. Donc il a 20 sur 20 sur la première moitié. Du coup, il est crédible sur le reste. Alors qu'est-ce que Daniel peut faire pour ce roi? Et qu'est-ce que ce roi attend? Quel dessein divin? Voilà. Comment tout ça s'imbrique dans les grands empires qui donnait le vertige aux contemporains, ceux qui avaient en mémoire l'exil de Babylone et la Perse et Pourim et Alexandre le Grand et Rome qui est pas loin. C'est vrai que être contemporain des Asmonéens un peu après Hanouka, en 140, 150 avant l'ère chrétienne, ça donne le tournis. Vraiment, ça donne le tournis. Voilà. Je vous remercie pour votre patience. Araméenne. Vous plaît. Merci beaucoup.